La vision d'entreprise, en fait, est tout simple, c'est d'offrir le bon produit installé professionnellement et ultimement entretenu de façon responsable. Développer une relation d'affaires durable avec nos clients. Donc, si les gens font affaire avec nous, on est là pour vendre, installer des produits et les entretenir. Mais ultimement, si on arrive chez des clients et les produits sont encore en bonne condition, on va leur proposer d'essayer de restaurer leurs produits, leur sauver des investissements, des dépenses et ultimement faire développer ce lien avec ce client-là qui va nous ramener de la business dans le futur, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant au niveau de l'ouverture de nos clients aussi, c'est qu'ils vont aller chercher ces solutions-là puis être ouverts à les entendre. Quand on parle de recyclage, par exemple, une fois qu'on enlève un revêtement, il y a des coûts à ça, mais les entreprises vont vouloir débourser pour faire le remplacement et par la suite de recycler les revêtements qui sont là ou mettre un peu plus de sous pour le produit, mais aller chercher un taux de recyclage qui est intéressant puis par la suite d'utiliser des produits pour les entretenir qui sont verts ou de faire au lieu de faire le remplacement, ben de restaurer puis changer la couleur des coulis puis garder un revêtement à long terme. Fait qu'on a créé cette offre de service-là, mais on a une ouverture aussi de la part de nos partenaires d'affaires, donc ça nous permet de créer des relations durables à long terme.